وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم des fois il voyait des choses mauvaises mais il fait semblant de n'avoir rien vu rien entendu. Il y a tarafal, il fait semblant d'être distrait. Non, parce qu'il n'y a pas un intérêt à le faire, à le reprendre, pour qu'il pardonne. Donc ça c'est très important, barakallahu fikoum, c'est que lorsqu'on pardonne, il faut qu'il y ait une maslaha derrière, il faut qu'il y ait un intérêt. S'il n'y a pas une amélioration de la situation, alors dans ce cas-là, on ne pardonne pas, on sanctionne. Et il se peut que dans la sanction, il y ait une amélioration. Cheikh Issa Ibn Taymiyyah a dit, l'amélioration de la situation est obligatoire, est demandée. Le pardon est recommandé seulement. Donc, si on pardonne, mais on n'améliore pas la situation, on a fait devancer quelque chose qui est mustahab, recommandé sur quelque chose qui est obligatoire. Et ceci, ça n'existe pas dans la charia. Vous avez compris, les frères, ça ? Réformer une situation, c'est obligatoire en islam. Alors que le pardon est recommandé, mustahab, ce n'est pas une obligation. Donc si je pardonne à quelqu'un, mais je ne fais qu'empirer la situation en le pardonnant, alors j'ai fait devancer quelque chose qui est recommandé sur quelque chose qui est obligatoire. Et ceci, la charia de l'islam n'est pas venue avec ce principe-là. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا